J'ai beaucoup navigué, j'ai rencontré mon mari sur l'eau. Et cette passion existe depuis toujours en moi. Et ce que j'ai finalement comme passion, c'est la peinture et la mer. Ce sont des balades marines. Et enfin oui, c'est ça, je veux exprimer l'émotion que je ressens à ce moment-là. Cette vague qui arrive ou bien cette mousse qui s'échoue sur le sable. Voilà, et j'aimerais justement qu'on ressente la matière et qu'on entende le bruit. Le bruit du vent, qu'on voit, qu'on perçoive le mouvement. Alors je peux travailler de mémoire, comme je peux travailler d'après un croquis ou d'après des souvenirs que j'ai. Mais souvent, c'est sur place, après une émotion, après une balade, je commence et le tableau, se fait tout seul. Donc je recherche une ambiance, une atmosphère particulière aussi. La mer est vert émeraude, elle est turquoise parfois, ça dépend du ciel. Donc je trouve ces couleurs pleines de richesse. Ce sont des gris, mais ce sont des gris qui évoluent à l'infini. C'est des gris bleus, ce sont des gris beige, des gris chauds, des gris froids. Il y a énormément de possibilités avec les gris en fait. Et je trouve ça très gai, je ne trouve pas ça déprimant, je trouve ça au contraire très agréable comme ton et très, très beau à voir. Je crois que maintenant je ne pourrai plus m'arrêter de peindre. C'est une passion et j'ai toujours eu ce besoin de dessiner et de m'exprimer comme ça. J'ai envie de, je sais pas, de laisser une trace, d'apporter, oui, quelque chose, d'exprimer mes émotions par la peinture. Je trouve que c'est important. J'ai toujours dur en fait de voir partir un de mes tableaux, ça c'est certain. Ça fait partie de moi, c'est une partie de moi, oui. Et il est certain que bon, mais quand je sais que la personne l'apprécie, ça fait plaisir de me dire que bon, voilà, cette personne pourra en profiter chez elle. Un jour, un monsieur que je ne connaissais pas passe devant un de mes tableaux et il m'a dit: j'ai l'impression d'être pieds nus sur le sable. Et ça, c'est vraiment la récompense. Voilà, c'est vraiment ce que je veux exprimer. Donc, je veux qu'on se sente bien et voilà, qu'on ait vraiment l'impression d'être au bord de la mer.